On va à présent parler, bien sûr, du deuil qui frappe la presse en Côte d'Ivoire, la presse nationale. Jean-Baptiste Bailly et Azo Voghi ont rangé leurs plumes selon Fraternité Matin et l'Inter. Rédacteur en chef sport de ces médias, capitaux publics avant sa mort, Jean-Baptiste Bailly était l'un des vétérans de la presse ivoirienne et était considéré par ses pairs comme une plume de référence en Côte d'Ivoire. Jeudi dernier, Azo Voghi, un autre journaliste écrivain ivoirien de renom, est décédé à Abidjan de suite d'une longue maladie. Dans les 102. Vraiment, que les âmes reposent en paix, M. Guy Michel Ablé. C'est vrai que celui de la presse sportive, j'ai entendu parler de lui, je ne l'ai pas connu personnellement, mais Azo Voghi était très souvent avec les hommes de théâtre, avec des acteurs, parce qu'il écrit dans un domaine culturel. Et il a publié des recueils de poèmes, etc. Vraiment qu'il repose en paix. C'est un coup dur pour la famille, c'est une grande perte, parce que c'est un sachant aussi, parce que il a vu la culture progresser. Nous, on se souvient très bien les rigolos d'Abobo à l'époque, avec la création des journaux, je veux dire, c'est les journaux privés, non? La presse privée. Oui, je vois la presse privée. C'est avec l'avènement de la presse privée qu'on a entendu parler de ces journalistes-là. Vraiment, repose en paix, champion, repose en paix. Que Dieu vous accorde une place importante dans son royaume céleste. Oui, vraiment, Yako à la famille. Il y a maman Rosa de San Pedro, la maman de Hervé Gouin qui suit l'émission, qui a envoyé un message. Ah, tu es San Pedro? Oui, oui. Ah, donc c'est tout comme Lydie Lowry aussi, voilà, à San Pedro. Voilà, maman Rosa de San Pedro, c'est la mère de Hervé Ngouin, lui il est à Abidjan, donc il envoie un message pour dire Yako à ce grand homme, voilà, qui vraiment a beaucoup fait, il a écrit, comme l'a dit président Adama Dengo. Ils sont morts de Covid-19. Non. C'est pas Corona? Pas Covid. Ni Covid, ni Corona. Ils sont pas comptés dans le Corona là? Oui, là, c'est mort naturel. Guy Michel, il faut faire moins d'eux. D'accord, ok. Vraiment, il y a quoi à tous? Oui, là, on a vu que ce n'est pas Corona, donc vous faites moins d'eux, si tu t'affiches. Ils n'ont pas été contaminés. Ils ont écrit jusqu'à ces plumes-là, même qui les a tués.